Il y a tellement de charlatans ci et là, l'Église n'a plus la crédibilité comme à l'époque. Mais nous, nous démenons, on se dit, avec le Seigneur, on finira toujours par obtenir l'autorité totale dans ce pays, dans ce monde, pardon. Alors, biloko wana, yangonde biloko esengeli, nakala oui. On recevait les gens qui venaient déposer ba singa, oh papier, oh ezala qui pona sala magie, oh loko ezala qui pona ba bike kotomona yango tozwa tobuka mais ça date depuis longtemps sikoyo na ba église tozwa kabato na te. Batu bando lo ba minokasika, bando déclaré, bazala tellement immergé par le Saint-Esprit, c'est ça et que nous appelons le baptême de feu. Donc si oh monsieur tomonaka le baptême de feu, ça dit faut beau traverser moto beau les moto, ça ça devient satanique, diabolique, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais ce qui est de Dieu, c'est le baptême par l'Esprit que nous recevons dans le Saint-Esprit. Parce que oyo ba pesanga singa oyo mayo ba pesanga, parce que c'est ça bilo que comme il est là au monde, même dans l'église au tozé à réveil moutaillé au pesé bidon à 5 litres, au pesé bidon à 20 litres. Mayoyo otia kamwa litanga na mai nayo. Mayoyo otia kamwa litanga mai akosukola. Mayoyo somwa na beli pesa ye. Mafuto. Non, nous sommes en train d'initier à ce peuple qui vient en Jésus une mauvaise vie. Donc nous devons leur dire Jésus-Christ nous suffit, c'est ça la foi. Les gens sont devenus incrédules deux fois par nous les prédicateurs. Donc tozo la kisabango nzela bonzambe malamute. Et bah tout ce qu'on va se gêner. Il y a des gens qui prient, qui nous suivent, qui disent pasteur nangai nalela yo nalinga kayo ozali papa pendo za onction. Mais vous verrez la même personne azana singamo kala tak atika la kolongola ngote o komona même mutoso ki alingalala azana mwe kekonomo abonde la. Mais il va à l'église. Donc, voilà les problèmes que nous avons. Or, nous devons présenter la personne de Jésus à côté de mité mabato, afin que les gens se décident de quitter. Quand tu as Jésus, il y a que lui seul te suffit. D'abord, ça c'est un. Donc, ton memaka Yesu te komezire Yesu na bozui na mbongo na ba voyage. Non, ça ce n'est que les adivants. Écoute, la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, avantage ya liboso ezali salut na yo. Tu es sauvé. Même les sorciers de ton quartier ne te feront plus rien. Les quartiers de ta famille ne te feront plus rien. Amen. Donc, tu es sauvé. Il t'a doté d'un pouvoir, d'une autorité qu'aucune force contraire ne peut plus te résister. Amen. Ça, c'est un avantage exceptionnel. Le reste, nous serons donnés par-dessus. C'est comme de l'argent, comme de mariage. Ceci, mariage, les enfants. Ça, c'est Dieu le donne. Mais d'abord, tu es avantagé d'être sauvé et d'hériter le royaume de Dieu. Merci à la communauté, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, vous nous regardez de partout sur Équilibre Télévision, Jérémy Luemba, les Renards du Désert, et devant vous. En tout cas, on va essayer de parler sur plusieurs sujets tout à l'heure avec l'homme de Dieu, le pasteur Faustin Ikaka, qui nous reçoit dans cette église, là où il est en train de diriger. L'homme de Dieu... Avec tout le respect, bonjour papa. Bonjour, bonjour, merci beaucoup Jérémy. Kola Pambola. Voilà, merci papa. J'ose croire que la santé ça va et puis état d'esprit, ça au beau fixe. Oui, vraiment, comme on a Jésus, on évolue bien, c'est bon, il n'y a pas de souci. Le Seigneur nous soutient. On peut démarrer par la prière, papa. Tendre Père, merci pour ce moment que nous voulons prier. Nous commençons cette émission et nous dédions l'émission entre tes mains. Bénis la chaîne et bénis les frères et sœurs qui vont nous suivre et bénis ce temps que nous montons, nous tournons cette émission. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Voilà, merci. Pasteur Faustin Ikaka, quand même, toujours rappeler que aux années Miloulou et Mounene, na début du mois de septembre. Ouais. Alors, le mois d'août tend vers sa fin. Tout en la période préparatif. Hein? Alors, rappelez Batou, c'est quoi l'événement et puis aux autres pensées et s'est déroulé na façon. Merci beaucoup. Bandeko Bazali Kolanabiso. Vous savez, 4 Days, c'est une grande activité que le Seigneur nous a donné de la tenir chaque année une fois. Mais alors,
Le vrai besoin, ce n'est pas l'expression 4 days. Besoin Zali Bethesda. 4 days Bethesda. Bethesda Zali une piscine. Oyowapi na Bible Bazola Xabiso. C'est la maison de pain, la maison de grâce. Cette maison de grâce, il y a un mutu ezali comme mabiso. À tout moment, quand on a ikoya, on a ikomo na lobo konanzambe. Ils étaient guéris, ils étaient délivrés, ils obtenaient des signes et des prodiges dont on a toujours besoin tant qu'enfant de Dieu. Alors, le 4 days, c'est juste une expression anglaise qu'on a mis en place pour dire 4 jours d'action et d'activité dans la manière de Bethesda. C'est pourquoi l'activité-là a des spécialités, a des manières exceptionnelles. Otolingi to yebisabino, to kobanda yango le 4 septembre jusqu'au 8 septembre. Mais on a scindé en deux parties. Le 4, le 5, le 6, to kozala na église na biso na assemblée chrétienne centre de foi, na Équateur numéro 14, na limité 13e mairie. Et dernier jour, Otobengi, dimanche, le 8 à 15h30, Tokozalana Esplanade, il y a 13e mairie. C'est-à-dire, même aux le Kana Boulevard, Okomona Abisso, même aux le Kana Petit Boulevard, Okomona Tozali, vraiment, wana, et les activités, mon con, Zambati de Libisso, sous cette fois-ci, pour que le Boko Naye, mon Anakati Nabatu. Même ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, voilà des occasions. Parce que, Tokoki Kotia Kanzambete Kaka, qui s'est qui s'est allé, non. Le Dieu agit parce que à Bethesda, les gens, les paralytiques, les aveugles voyaient, marchaient et vivaient les miracles de Dieu. Et nous croyons aussi, par Bethesda, la gloire de Dieu va se manifester. Voilà pourquoi cette action. Deuxièmement, nous voulons aussi que les âmes soient sauvées en Christ, que les gens se convertissent. Batuba eba Yesu Masia, batuba bongo la mitema, évangile eye, pebenda batu, toya katina Yesu Masia. Voilà les deux objectifs importants au Ezali Katina programme. Voilà, merci l'homme de Dieu. Je crois que tout a été dit. Vous en attendez un préparatif pour que Miloulou et Salama, première partie de l'église. Ouais. Et puis la dernière partie, Zalina niveau, il y a Esplanade, il y a 13e mairie limitée. Bateau Balekara limité, 13e mairie résidentielle, Petit Boulevard, et puis dans le boulevard Lumumbana. C'est juste au milieu là. Et c'est comme ça la clôture. Est-ce que vous avez pour limiter à envahi de plusieurs églises? Bandimini ni vous comptez sur vous. Bandimina yo vous avez bonne église ou bien vous comptez pour pécher chez les autres. Vraiment tango Yesu atina activité aponaka batute. Ozali activité évangélique, une croisade évangélique oyo to bengi batunos. Même les chrétiens, même les non-chrétiens, même toi yebin sambete, même toi sambe la église de Songolo Pakala, on a besoin de tout le monde. Parce que Sangomala me kote yama. Pona biso, ba otozali ba nanzambe, tolendi samali susu, pona ba oyo ba yebina nuse yesu te, ba yamba yesu Christo, pona ba oyo pe bazana ba problème, ba mona pe bilembo. Nzambe pasa yela bango grâce, koyiko biki sabango, koyiko kango la bango, koyiko sa yela bango bolam. Donc, kouchignon sur abatou, nous en a besoin na bango na activité wana. Vraiment cette activité eponi mutute et bengi batou nyon sobisi comme zali ba rejoindre bison activité oyo et li pamboli ensemble zali. Alors actuellement délivrance c'est ça la masusu simplement t'es l'homme de Dieu. Délivrance c'est comment il faut tout mon ba instrument, tout mon maï, tout mon imungwa, mais est-ce que na milulu wana ogozala simple ou bien ogolata ba tennis sacerdotal ozala na nzambala tu penses ces années? Gloire au Seigneur, merci Jérémie pour une très belle question. Oyebi Jérémie, nzambe pour l'état actuel, nous sommes dans la deuxième alliance, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est largement différente à la première. De première alliance va tu vanai kozana ba tennis sacerdotal ba lati ba nzambala ba lati ba kol ba lati boye parce que c'était significatif par rapport à l'extérieur. Mais la nouvelle alliance, c'est l'intérieur qui compte. Le Christ n'a plus besoin ou Dieu n'a plus besoin de l'extérieur, mais Dieu voit l'intérieur. S'il faut que j'accepte la tenue sacerdotale, est dans mon cœur, c'est-à-dire l'harmonie, la communion que j'ai avec le Seigneur, la bonne relation que je garde avec le Seigneur, c'est ça la tenue qu'on a besoin.
Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la tenue extérieure. Ça, c'est juste pour frapper le regard. Et même Samuel Baloba, qui n'a Samuel Baobi, Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde ce qui est dans le cœur. Donc, pour Nathan Abisson Lelo, on n'a plus besoin. Il y a Bateni pour intimider qui, je ne sais pas. On n'a plus besoin de démontrer que non, je dois être à telle tenue pour qu'il sache que j'ai Dieu. Mais la tenue qui est obligée dans le temps de Christ, c'est notre disposition du cœur. Ce qui m'a été mes alliés bien disposés pour Nzambe, tu vas faire des choses. Alors, comme tu as parlé de Mafuta, de Maï, tout ça, on n'a même pas besoin parce que la Bible dit au nom de Jésus, tout ça s'est fait. Tout ça se fait au nom du Seigneur Jésus. S'il faut que j'aie l'instrument de travail, autoko travailler nango mukolwana comme nango Yesu Masia. Voilà notre instrument, voilà notre force, voilà notre appui, c'est le nom de Jésus. Et l'unique nom de Jésus est capable de sauver, de libérer, de guérir et de changer la vie des hommes sur la terre. Alors, ça c'est bien répondu, pasteur Fausté Kaka. Mais est-ce que c'est aussi possible nakati assemblée nakati église ba offrir nanzambe mabunza ya ntabato meme ne bozora mbongo na bapani soki muto ina ntabato meme na église comme front bozora pe ama là je sais pas comme na ne comme la ngaité na no bayana ngote mais je peux expliquer si quelqu'un a trouvé que offrande naye azui yango ana ntaba yango ana meme. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas un souci. C'est-à-dire, aye na oka net mutaye na mbongo, net mutaoko ya pena mutuka, mutaoko ya pena ndaku, mutaoko ya pena lamba, mutaoko ya pena meme na ye, là il n'y a pas un problème. Parce que ce matin, tout le monde est en église à pasteur Walesa, ba offrir ye un tabac comme offrande. Et ça a été filmé, j'ai suivi les polémiques, les débats un peu partout. Nous avons une autre question. Okay. Voilà, c'est très important. La question, il y a des problèmes dans les alliés, il y a des configurations. Mais ici, je prends la chose de la lumière de la Bible. Donc, ce qui est dans le tabané, il y a un peu expliqué. Si c'est comme une offrande, donc peut-être un bon on a un angote, peut-être parce qu'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. Les hommes ont un peu de sac à foufou, un peu de sac à l'osso, un peu de sac à l'osso. Oye za na disposition na ye. Alors, aye nango atye, pour na lokouma nzambe, il n'y a pas un problème. C'est que nous refusons que cela soit un sacrifice. Oyo moutouye mo kayebi makanti yamabe, na ke nango pona sacrifier na besoin boye. Nous avons l'unique sacrifice, oye ndimama na nzambe, c'est Jésus-Christ. Le sang de Jésus a satisfait le Père. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'autres sacrifices matériels pour nous libérer. Mais si quelqu'un vient avec une offrande, que cette offrande soit matérielle, que cette offrande est à l'antaba, que cette offrande est à la nyamanine, est à l'elamba, est à l'anine, là, il n'y a pas un problème. Il a offert à son Dieu et Dieu a agréé ça. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Et je pense qu'on ne peut pas non plus polémiquer sur ce sujet-là. Il n'y a pas un problème compliqué dans ça. Alors, il n'y a pas un problème compliqué dans ça. Le message est bien lancé. Alors, Lucholo est baptême, l'homme de Dieu. Parce que vous allez assemblée chrétienne, centre de foi. Votre ministère est basé sur la foi. Kondima, vous allez clé un ministère, vous allez co-diriger. Lucholo est baptême. Tout le monde a une église, mingi, bozo kumba bandimi, na rivière, c'est comme ils ont coulé, vous baptisez bango. Mais quelque part, dans les météos, on a mis un panneau, mon groupe, pasteur, mon amatissier, le bio, baptême de feu. Est-ce que l'expression existe aussi? Ou bien, sorte un baptême de feu, on a payé à la cabo, ça, là, on vient de l'église? Non, écoute, l'expression baptême de feu existe dans la Bible. Mais je ne veux pas aussi. Le collège existait, mais je ne sais pas pratique. Mais il faut que son gars ait intervenu pour un baptême de feu. Il y a qu'on intervenir dans des pensées à la Bible. Lorsqu'on parle de baptême de feu, ce n'est pas, ce n'est, et là comme sous-souté, et Zali Kaka, ils ont expliqué dans Bilo comme il parle. Baptême de feu, moi que Zali, la puissance de l'esprit qui vient avec le Saint-Esprit qui touche les gens, où vous êtes baptisés du Saint-Esprit, et c'est pour ouvrir les gens par la langue, les gens parlent de nouvelles langues, bazar. Touchés, hein, tu vois. Là, ils sont baptisés par le feu. Ou soit, l'autre baptême de feu,
C'est la souffrance que nous endurons dans le travail avec Dieu pour tailler nos cœurs, tailler nos comportements, tailler nos caractères. Parce que Nzambe, pas comme Isayo Yaye, abanaka ko tailler mutu. Donc ça baptême, une expression qu'on appelle baptême de feu. C'est-à-dire, naon le kisaba moment moko ya passe ya moto, oyo Nzambe azo cadrer caractère nanga, azo zongi sanganaza. Parce que tout serviteur de Dieu, si vous voyez aujourd'hui, on sert Dieu avec ma perversion et belé, parce que les gens n'ont pas eu le temps de passer par ce baptême, de passer par la souffrance en Christ, pour passer la souffrance, on a aimé ma cabisso, na ba circoncision du cœur. Parce que le baptême de feu circoncit quelqu'un dans son cœur. Et ce longolé, la chair. Non, baptême de feu, en d'autres termes, Ali, en fait, difficulté dans le grand. Oui, ce sont des réalités que nous traversons. Mm. Dieu permet tout le kissa, comme Israël est passé dans le désert. Mm. Tu vois, tant on va le kissa dans le désert, c'est comme un baptême de feu. Ah. C'est-à-dire, Dieu t'amène pour te tailler, pour te transformer, pour changer ta façon d'être, pour que ton cœur aussi ait une circoncision, et au moins qui caractère comme Ayanzambe. Même quand tu travailles pour Dieu, tu vas marcher, respecter, prescrire Ayanzambe. Il y a aussi le baptême de feu, que nous appelons dans cette expression aussi, est caché la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés par l'Esprit de Dieu. Et lorsque quelqu'un est baptisé par l'Esprit de Dieu, c'est aussi, on dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset, tu n'as deuxième habit, quand ils ont reçu les jours de Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, il y avait dans leur tête comme du feu. Donc ils ont été baptisés du feu. Il y avait le feu dans chaque moutounion sozala qui en a mis tout bango, mot et tonda ki bango. Et ce fait-là avait fait que Bando déclaré, Bazala tellement immergé par le Saint-Esprit, c'est ça que nous appelons le baptême de feu. Donc si, baptême de feu, c'est-à-dire qu'il faut traverser moto. Boleka moto, ça devient satanique, diabolique, ça n'a rien à voir avec Dieu, mais ce qui est de Dieu, c'est le baptême par l'Esprit que nous recevons dans le Saint-Esprit. Parce que baptiser quelqu'un, baptême, c'est immerger dans, être dans. Donc tu vois, le baptême par immersion, ezali baptême ou yamai, ton memakaba tout on dit si naon tobim si bango. Le baptême de feu, c'est le baptême du Saint-Esprit où les gens vont parler en langue ou carrément une expression qui nous oriente vers les difficultés que nous connaissons lorsque le Seigneur est en train de nous tailler pour devenir réellement son serviteur. Alors, l'homme de Dieu, dans cette même logique d'idée, par rapport au baptême de feu, vous savez, aujourd'hui, les chrétiens disent que « Yanzambe, on dirait, zo oumela. » Au moment où on a dit « Yanzambe, aboyi ba loge, aboyi ba secte, aboyi kokouma deux fois. » Azo persévéré dans Yanzambe, mais vie na yezo bunga na pasi. Ba baptême de feu, en gros, ça a duré. Non. C'est ça le problème. Donc la faute incombe à nous les prédicateurs. Tolaki sabatu, nzela nzambe mukuse. Ne pas nanga nzambe nanga za nzambe tikotak. Ne pas nanga sokio yo komona. Et quand les gens viennent et qui n'ont pas vu ça, et voilà ce qui fait que les gens sont devenus un peu incrédules. Mais moi je pense soyons simples lorsqu'on présente l'évangile parce que s'il faut même dire tolo bela fort des awa. Le signe et le produit, ce n'est pas le monopole de notre pasteur. Donc nous supplions le Seigneur de faire quelque chose pour le peuple qui sera là. Nous lui demandons, il n'y a que lui seul qui peut décanter des situations. Mais si tu es comme ça, tu es supplié et par la grâce, c'est pourquoi il met les dons pour que Dieu se manifeste au travers de ses serviteurs. Mais ce n'est pas moi le pasteur qui fait les miracles là. Comment vient voir? C'est ça le mal. Yakomona. Voilà. Ce qui m'ont taillé à monité à Koloba Yanzambe Zosanini et Zoumela. Non, Yanzambe Oumela Kate. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu donne aussi est bon. Bénédiction et koki ko enrichir moutou et ko utaka Nzambe. Donc il faut laisser le temps. Dieu qui nous connaît plus que le monde. Amonique a nenge Jérémie à Yawa. Ce qui n'a pas été l'occasion de faire un peu, Jérémie a encore eu un peu. Nous avons encore eu un peu de temps, pas taillé, mais ça n'a pas été, et après, a pêché. Toujours un exemple clair. A dit Siban à Israël que
bolongo en Égypte et bokende wapi na Cana, n'est-ce pas? Donc la promesse, pourquoi Cana? Parce qu'il dit coule le lait et le miel, c'est-à-dire il y a tout, il y a l'abondance. Mais nzamba leki si bangona wapi na désert. Or on nous fait voir bisika bazala ki poma koma so baleka ki même na nzela Samarie selon la géographie biblique balinga ki facilement basala 3 jours bakomi na bango. Mais Dieu préfère les amener sur le chemin du désert. Pourquoi? Il voulait parler avec eux dans le cœur. Il voulait se familiariser avec ce peuple. Il voulait que le peuple fasse l'expérience personnelle avec Dieu. C'est pourquoi le Kisibango et l'objectif Ezali Kana. Donc chacun de nous doit comprendre que quand on a crié à Jésus au Seigneur, on aura toujours l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Mais le temps que Dieu a tracé, ce n'est pas nous. C'est pourquoi nous devons persévérer. Donc, il y a de ceux qui viennent à Yekalelo, nous n'avons pas salé. Ngolu, nous une semaine à Moniclé, nous sommes une année. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, au moment qu'il veut. Santé ezonga stable ezoumela, ce sont des questions que les gens se posent. Hier une maman m'appelait alobi azana poto mais bana bazana poto pena ye. Mais tu peux imaginer bana na poto babota mape na poto mais bana balingi classité. Donc on dirait esprit moko ba ki voyou ezo landa bana si ko komi na posa. Il y a prière, il y a orientation. Alors, nous avons dit que nous avons un spirituel pour que kaka avons un bon alignement. Nous avons un souci avec souci moi avec l'homme de Dieu. Oui, merci beaucoup. Nous avons un souci avec moi. Et nous avons un souci avec moi. Nous avons un souci solo. C'est ça le mal. Parce que tant que nous avons un biloko wana, nous avons désorienté. Nous avons un souci solo. Vous voyez, moi je connais la structure, la manière de travail à Libanda. Bana na poto ngana ibisa me bande kolange bele. Bana na poto si on ne fait pas l'effort, na poto il y a pas une bonne éducation pour les enfants. Là il faut qu'on se le dise. Kuna moi nazali lokola nzambe ba kosima ete. Ce qu'il décide, ce qui va se faire, c'est différent de nous. Ngana ibisa bandinga nyo somme na poto, nos enfants en africains sont mieux. Et baza bien cultivé, baza une éducation que le kabana ya kuna. Parce que awe panabiso, nakoi ko beta mwana, nakoi ko gangi la mwana, l'enfant va écouter, l'enfant va comprendre. Mais là-bas, si tu oses, c'est la police qui vient t'arrêter. Nous sommes là que vous avez beaucoup de peine. Et on expose auprès des enfants tous les maux du monde, baza na libertinage. Alors, bilo kwana pour que eux pèsent sa malade, il faut se donner à un vrai Dieu. Jésus-Christ est avec nous. Donc, bakolande la yo na ba prière kakate, masakoli kakate, mais il faut aussi des enseignements. Oye ko sala ke mouta ebe lokazo sala. Oye bi Jérémie ebele, ba soufrakapona nini. Surtout nos frères et sœurs de l'Europe, des fois, ils n'ont pas besoin d'écouter la prédication. Ils ont plus besoin de la prophétie. Les prophétismes, c'est prophétiser, c'est faire ceci. Ça vous embrouille parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas la connaissance de ces dieux-là. Mais comment vous allez développer des personnes? Écoute, la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Ce qui n'a nos métiers d'accord n'a nous embêté. Comment vous devez marcher maintenant ensemble avec Dieu pour vivre les miracles de Dieu? C'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous devons commencer par présenter Matou Yesu. Bolaki si bango Yesu, botei bango Yesu, moutouye mon motemane a adhéré, a bongwami, a yebi comment on travaille avec Dieu, comment on prie le Seigneur, et c'est comme ça que les gens seront guéris. Mais vous verrez, il y a d'autres qui viennent, non, quand tu parles là, maman, je vois un miracle devant toi, j'ai vu un ceci, et ceux qui ont mon yangote, on distribue tout, na Yesu. Non! Ça, c'est l'homme qui a fait ses incantations. Non, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça. Non. Mais ce qu'on a dit, maman, ce n'est pas très compliqué. C'est question seulement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et accepter aussi Koyoka enseignement lié à Makambouana. Ba lendi sakayo, ba encadreyo, ba pe sakayo orientation. Pona bana. Vous savez, papa, pona bana oyo.
Parce qu'il est difficile. Je ne sais pas l'âge qu'ils ont maintenant. Parce que ceux qui m'ont commis au-delà à 18 ans, là, c'est bon. S'ils sont encore des mineurs, ce sont des intouchables. Même maman est incapable à Kolobeloko. Non, non, papa spirituellement. Parce que Sango ya Bengi, a sengi ba photo à Bana, a sengi ba kumbo à Bana, ba identité à Bana, n'inga lingi a exorcisé Bana. Yoza pasteur, quand y'a ngwana, il faut ça. Moi, je pense que quand ici, ce mien maman a Benga Bisso, on va l'orienter pour la faire voir que, Oyonyon se comme Libana, il y a un moyen avec Jésus, Bana Bako Zonga normal. Jésus Christ a koy ko sala bana na ngolu na nzela ba prier, vous voyez, c'est-à-dire ata zui photo, mais la photo ne suffit pas, il faut que batu bango mokope bakota na lisolo na musai na nzambe ba orienter bango. C'est pas là comme on a qui na introduction na bi ke eza mo difficile so baza mineur so ki ba boyi que nobiso on n'a pas besoin de parler avec le pasteur a osa l'otremate. Mais ba photo na ka bando prier, mais maman il fonde ami pesa ce qu'on a nzambe. Petit à petit, le Seigneur va toucher les enfants. Sinon, vous allez aller chez tout ce que dont vous voulez, les enfants seront encore plus petits qu'avant. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Parce que la dimension spirituelle, une dimension spirituelle élevée. Alors, ça demande que Jésus soit au centre. Il n'y a que Jésus qui est la spiritualité la plus élevée. Le reste, là, vous êtes, nous sommes en bas. Alors, merci beaucoup. Maman a eu une réponse naïe parce que il y a eu consulté ma prêtre, ma exorciste pour que ma calmer bana. Mais je crois qu'avec Jésus, tout est simple. C'est très possible. C'est très possible. Alors, toujours citer l'homme de Dieu. C'est quoi l'avantage d'être chrétien? Parce que Ming. Otika la lingundu libumu munene tala ji oya décrassement soko meliango libumu pla net kuto botate e bongo kote ba papa boye ba ke pona ba kolongondo bwa kundu bwa nzoto bwa yo yeba ke bazali na kisi ya force eye mukolo nzoto yangonde kisi ya solo solo mukolo nzoto aye yangonde zali kosunga nzoto ya ba papa pote libale za la elengi pe supu na niveau ya deux fois te ezali ko traiter maladie lokola impuissance sexuelle éjaculation précoce hémorroïde oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya deux fois te okanisi mama mika suki wana tin chez mama mika azo traiter les sous-sous, stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais y'a ba sorte nango nyonso. Po na bandeko oyo, bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri beri, mwana na nganzo tezali pe na pete pete alembara pamba pamba, yeba ke awe zali na ba boui, 100% bio, ton nganzo ton na niveau ya nyama, pote nzo ton na yo, Eza la pena kolongone ya solo. Soko meli poto poto oyo. Okoza la mubimba. Pe sante. Elengi. Neti kaka na lola. Kote cosmétique ebiso Mama Mika. Réparatrice ya lo poso. Po. Ni voisa ko traite banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messieurs. Bazalina ba produit lokola. Huile d'ananas. Savon anti-nduta. Anti-tampon. Anti-tache. Yangonde mubimba. Bazali pe lisusu. Na crème de beauté. Temetis. Ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama gommage bazali ko salango kitoko joli pomade ya suki plus huile pomade vimbovi pona ba papa oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko po azonga penda mubimba lokola mobali ya solo bazali pe na crème réparatrice anti vergeture pona basi nyonso bazali na ba problème na banzoto e ko sunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini, ba kisyo nyonso ezali ko traiter batu, ezali sans hydroquinone. Akutu, ata ya mukele kete ya hydroquinone, ezate pe ezala kate. Soki olingo benga, Maison Mika Cosmétique et Business Bio, okoki kozwa bango na veni pozo, numéro A17, quartier Matonge, na komi na kalamu, référence, kabini ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya telephone oyo, plus 243, 89, 98, 27, 674. Tala, bako sabinote. Maison Mika, cosmétique et business bio. Awa, 100% bio, pe sans hydroquinone, naba produit nabango, nyonso. C'est naturel.
aumeli kozala chrétien makambo ezo simbate aza découragé à perdre foi avantage kozala moninga ya Jésus-Christ eza nini. Gloire au Seigneur. Bandeko bazolanda biso, suivez-nous attentivement. L'avantage primordial d'être enfant de Dieu, c'est le salut de ton âme. D'abord, salut ya âme na yo. En dehors de cette vie, tu vivras de l'éternité à l'éternité. D'abord, ça c'est un. Donc, ton memaka Yesu te komezire Yesu, na bozui, na mbongo, na ba voyage. Non, ça ce n'est que les adivants. Écoute, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, avantage y'a liboso, ezali, salut na yo. Tu es sauvé. Même les sorciers de ton quartier ne te feront plus rien. Les quartiers de ta famille ne te feront plus rien. Amen. Donc, tu es sauvé, il t'a doté d'un pouvoir, d'une autorité qu'aucune force contraire ne peut plus te résister. Amen. Ça, c'est un avantage exceptionnel. Le reste, nous serons donnés par-dessus. C'est comme de l'argent, comme de mariage. Ceci, mariage, les enfants. Ça, c'est Dieu le donne. Mais d'abord, tu es avantagé d'être sauvé et d'hériter le royaume de Dieu. Ça, c'est l'élément primordial. Mais ça, au moins, les habitants de la terre ne s'y portent pas. Mais c'est ça. Une fois qu'on commune à Yesu, tu es déjà béni. Tu es béni. Parce que tu as le pouvoir et l'autorité de Dieu et tu es sauvé. Et le salut, c'est ça la fin de tout. L'espérance est bénie de l'Église. C'est le royaume de Dieu. Donc, espérons comme ça. Et le reste est comme il y a Mike. Pour Moutabika, il y a capacité. Pour Moutakango, il y a pasteur. Pour Moutazualibala, c'est facile. Mais d'abord, le central, il faut être sauvé. C'est ça, nous sommes sauvés. Notre plus grand avantage. Ndekoyo zano zola nabiso. Okoki kozala mwana ministre. Ndeko ministre, yomoko ministre. Onondwa na mbongo. Mais ton âme est malade, il faut recevoir Jésus. C'est Jésus qui nous sauve. Quand tu es déjà sauvé, tu as l'assurance. Amen. Qui est cet homme qui sait que non, attends na mbongo, nana kene ke na mbongo na nkunda. Personne. Donc, nous mourons, nous laissons tout, mais mon âme doit vivre. Voilà l'avantage par excellence que nous présentons aux hommes, aux femmes de ce monde, la personne de Jésus-Christ, le premier et le plus grand et l'unique avantage exceptionnel, c'est le salut que nous avons en Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est déjà aussi arrivé l'homme de Dieu dans l'église, Nayoboye? Banganga baye kotika bakisi to kutani pe nganga moko pe wazana posa atika misala ya mabe to fetisher moko bo epe alinga deposer bakisi et comme la binope déjà. Ah oui, au fait na e bandeli akala parce que le contexte actuel devient très compliqué. Il y a tellement de charlatans ici et là, l'église n'a plus la crédibilité comme à l'époque. Mais nous démenons, on se dit avec le Seigneur on finira toujours par obtenir l'autorité total dans ce pays, dans ce monde, pardon. Alors, biloko wana, yangonde biloko esengeli, nakala oui, on recevait les gens qui venaient déposer ba singa, oh papier, oh ezala qui pona sala magie, oh loko ezala qui pona ba bike koto mona yango tozwa, tobuka mesa date. Depuis longtemps, si ko yo na église tozwa kabatwana te. Les gens sont devenus incrédules, deux fois par nous les prédicateurs. Donc, il y a des gens qui prient, qui nous suivent, qui disent, pasteur Nangaï, Nalela yo, Nalinga yo, Ozali papa, Pendoza nonction. Mais vous verrez la même personne, Azana Singamoka à l'attaque. Atika la kolongo langote. Okomona même Moutoso qui a lingalala, Azana moue kekonomo, abonde la. Mais il va à l'église. Donc, voilà les problèmes que nous avons. Or, nous devons présenter la personne de Jésus à côté de l'amitié, en fait que les gens se décident de quitter. Quand tu as Jésus, il n'y a que lui seul te suffit. Il ne faut plus l'associer, ni le mélanger avec d'autres forces. Non, bah, hypocrite, bah, côté de l'église. C'est ça le problème. Il vient prier, mais il vient prier, mais il vient prier, mais il vient prier. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le plein que nous faisons ne veut absolument rien dire.
Parce que Batébélé, Bazoana, on n'a pas encore le monopole de dire que nous les avons gagnés en Christ. Voilà pourquoi l'effort d'Aise vient pour orienter les gens. Que nous avons l'unique maître qui peut tout faire, c'est la personne de Jésus. Et Jésus n'aime pas de mélange. Soit tu as Jésus, soit tu n'as pas Jésus. Donc, il faut aimer la personne de Jésus. Qu'on mélange aussi, si qu'on prie, auquel qu'on maille dans la cambe. Aussi, ceux qui ont dit que l'église est commise, les gens n'ont pas les deux pieds sur terre, tout simplement parce que, comme il y a un Nzambe belé, un Nzambe aligné en côté, Donc, il y a tellement beaucoup de dieux, mais on ne sait plus quel dieu se vouer. Moi, j'appelle aux hommes, aux femmes qui nous suivent, l'unique Dieu qu'il faut suivre, c'est Jésus-Christ. Il est bien disposé pour nous prendre en charge dans tout et pour tout. Et en Jésus, on ne sera jamais déçu. Jamais. Depuis que je suis une trentaine d'années dans le Seigneur en prêchant l'Évangile, il n'a jamais, alors jamais, déçu quelqu'un. Et tu ne seras jamais déçu en acceptant uniquement Jésus, en disant que « Oyo, ma pesanga singa oyo, mayo ba pesanga » parce que c'est ça, bilo, que comme il est là. Au moins, même dans l'église, on tous un réveil, moutaillé, on peut se bidou à 5 litres, on peut se bidou à 20 litres. Mayoyo, o tchaka moua litanga na maïna yo. Mayoyo, o tchaka moua litanga maïa kosukola. Mayoyo, so moua na beli pesaye. Mafuto. Non, nous sommes en train d'initier à ce peuple qui vient en Jésus une mauvaise vie. Donc, nous devons leur dire, Jésus-Christ nous suffit, c'est ça la foi. Vous voyez, c'est ça la foi. Alors, c'est ça la foi. Donc, il y a une pratique, une maïe. C'est la Bible qui ne veut pas. Ah, pas ok. Ouais. Parce que, comme d'habitude, ceux qui ont béli, ils ont maïe autant à l'okolo. Non. Mais la maïe, ce qu'on a yango, mélangé, bouillé, tout ça. Je vais mettre une nuance. Parce que nous avons un Dieu de multi-dimensions d'agir. Ici, il ne faut pas comprendre. Il peut arriver que, aux un moment à prière, par la dimension de Dieu, une dimension élevée de Dieu, peut te dire, prends-le, bois qu'elle a mout. Prends ma photo, bois qu'elle a mout. Mais que ça ne soit pas ta pratique. Moi, je me souviens encore une fois, une sœur était presque moribonde, elle mourait. Je priais avec elle, Dieu me dit, à ce moment, ma photo, pas collaille. Donc, je priais à ce moment, ma photo, c'est la zone à la vie. Et je me souviens encore, c'était en 1989. 99, pardon. 99. Jusqu'à aujourd'hui, Natia Ramutuma Futate. Donc, quand on prend ça, ça devient la coutume. C'est là où nous refusons. Mais si Dieu t'a parlé, subitement, Melissa Mutumaï, que ça soit seulement pour ce cas, et on ne le fait plus. Mais le pasteur va copier un débat catholique dans Obénit. Voilà. Obénit. Le mal, c'est ça. Le lomaï, l'obimaï, ça devient toute une doctrine. Ça devient toute une vie. Cela n'est pas vérifié dans la Bible. Nous devons élaguer toutes ces histoires pour que la sainte doctrine soit prêchée dans son entièreté et l'Église a gardé autorité naïe, valeur naïe. Aujourd'hui, l'Église est à carence d'autorité na valeur parce qu'il y a le syncrétisme, il y a du mélange, il y a du mélo-mélo et il n'y a plus la vie sainte dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous proclamons cela dans les 4 days. Nous disons, Jésus-Christ suffisait dans la piscine pour que l'homme de 38 ans soit guéri. Il n'avait pas besoin de passer là. Moi, je suis là. Que présence à Yesu de Kangola. Amen, amen. Voilà, merci beaucoup. Et clin d'œil spécial à tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent sur Équilibre Télévision, les célèbres Dienzundu de Washington, Yalu Zombala de Madrid. Merci à Mimi Ndoumé depuis Moshing là-bas. Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi, Forza Italia. Yalu Zombala de Madrid. Keke Monama de Paris. Merci à Roderick Malong aux États-Unis. Ainsi que notre conseiller, Papa Philippe Kabouikou, à Fribourg, depuis Switzerland. Docteur Simon Mundemba, na Zambie. Vous êtes vraiment partout, en Australie, Grèce, et Turquie, Chine, Dubaï, Corée. Vous nous captez depuis la Belgique. La France, l'Angleterre, que Dieu vous bénisse. Nous voici arrivés complètement à la fin. Le numéro de notre pasteur Faustin Ikaka est affiché au bas de vos écrans. Pour plus de messages, communications, prières, orientations divines, l'homme de Dieu est toujours ouvert, très disponible pour vous. En tout cas, au Bengi, au Posé Kanayo, te toucher quand même la spiritualité pour vous éveiller aussi. Parce que la réalité, l'ignorance, ils ont gagné terrain.
Merci beaucoup l'homme de Dieu. Dicté bandeko numéro à téléphone et puis un petit message d'espoir, de foi na bato batali biso. Merci beaucoup pour na bandeko oyo avato pesa numéro baza désespéré baza na souka ya vie na bango bikenga Yesu ki na inspiré toujours babilo konyo sona kena ba nini ba prière si là ça n'a pas tenu. Je viens dire à ce frère, cette sœur que oui, ça n'a pas tenu, il y a encore de l'espoir parce que tu vis. Le Seigneur peut te faire encore du bien. Il y a encore de l'espace pour ta vie parce que le Seigneur est vivant. Si tu peux seulement se décider ce jour, que non, je veux maintenant me tourner vers le Seigneur Jésus, il y a un miracle qui peut s'opérer dans ta vie. Il y a des surprises agréables qui peuvent arriver là où tu es. Et je crois, la dimension d'action de Dieu, et ça, la Makanandenge m'a maîtrisé. Il y a de ceux qui peuvent être guéris tout simplement pour aller en mission et le Seigneur lui fait du bien. Et il y a de ceux qui doivent attendre parce que le Seigneur sait comment il peut amener. C'est pourquoi je dis, nous avons un programme qu'on appelle Fort Desh Bethesda qui commencera du 4 au 8. 4, 5, 6, nous serons à l'église Équateur 14, 13 Mairie. Et le 8 à 15h30, donc aux en esplanade, il y a 13 Mairie. Kunande Tokozala, pour na clôturer Milulouana. Et ne soyez pas troublés, même Soli Kambezala Kinengenini. Nous croyons en Jésus-Christ, il est puissant. Si vous pouvez nous contacter, nous sommes dans le 00243-99-99-26-749. 00243-99-99-26-747. Donc, tu peux nous appeler, tu peux nous poser des questions, tu peux aussi passer par Jérémie. On est ouvert et le Seigneur va vous faire du bien. Je proclame la puissance de Dieu. Je proclame la main du Seigneur. Je proclame le miracle où vous suivez. Même s'il y avait quelque chose qui a troublé ta vie, reçois le miracle au nom de Jésus-Christ. Car le nom de Jésus nous libère de toutes chaînes de ce monde. Soyez guéris, obtenez la réponse à ton problème par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi priez. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, merci à Justin Panzou, le grand Mouyombe à Londres. Bozage Bélé, nous voici arrivés à la fin. Bye et au prochain rendez-vous. Merci, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.